Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Bréchu et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de notre série 1.14. Bon, alors depuis le dernier épisode, j'ai pas fait de hors caméra. Tout ce que j'ai fait, c'est AFK un peu là tout à l'heure en attendant. Donc le bambou a pu pousser un peu et les arbres ont pu pousser. D'ailleurs, cet arbre est vraiment bizarre, hein, genre, je sais pas, il... Ouais. Merci Minecraft. Bon, dans le dernier épisode, je vous ai pas mis le sondage pour mettre le... Enfin, pour la maison. Donc, je pense que je vais le mettre dans cet épisode si j'oublie pas. Alors, il y a un mob qui va arriver par derrière, il va me faire surprise. Je vais rien comprendre. Bon, aussi, du coup, les patates ont un peu poussé, mais bon, on va prendre un peu de bonne mille et on va les faire pousser parce que vos bouffes, c'est pas ouf, hein. Clairement, alors celle-là est poussée, ok. On va en replanter quelques-unes. On va s'en garder 10, je pense. C'est pas mal d'en garder 10. Bon, alors aujourd'hui, l'objectif, c'est d'aller dans le Nether. Oui, disons qu'on a déjà bien commencé la partie, on est bien installé, on a un peu de diamant, etc. Donc, ça serait plutôt cool d'aller dans le Nether. Donc, j'ai déjà la pioche en diamant. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais aller vite fait en mine, récupérer le psy qu'il faut. Et je vous reprendrai quand j'aurai tout le psy et qu'on pourra allumer le portail. Bon, voilà, j'ai récupéré toute mon obsidienne, donc j'en ai récupéré 14. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai réfléchi, je me suis dit, il faudrait peut-être qu'on s'enchante avant d'aller dans le Nether, parce que c'est assez risqué. Donc j'ai pris les 10 obsidiennes pour le portail et 4 obsidiennes pour la table d'enchante. Voilà, tout simplement. Regardez ce qu'il y a là. Il y a des cochons. Bah, je retiens, il y a même des poulets. Bah, je retiens qu'il y a du cochon ici parce que j'avais besoin de cochon. Bah, pour me nourrir, sauf que j'en ai jamais trouvé, du coup j'étais parti sur les patates. Vous vous souvenez dans le dernier épisode quand j'ai trouvé du coup la jungle sans faire exprès? Et bah voilà, mais en fait il y en avait vraiment juste à côté de chez moi. Très bien, je suis choqué. Bon, bref, on va aller se faire la table d'enchant, je pense, comme ça sera pas mal. J'ai 18 levels. Ouais, ça peut être correct quand même. Oh, normalement j'ai de quoi faire un bouquin. Ouais, je pense pas qu'on fasse de biblio, hein. Sans choix, qu'on n'a même pas assez de... Bah, de quoi faire des bouquins pour faire une biblio. Alors, hop, on prend... Je crois que c'est ça, ça, ça. Ça. Ouais, c'est ça. Table d'enchant. On va la mettre où? Et protection, hein. Nickel. Normalement, je crois que j'ai du fer. Ouais, j'en ai pas beaucoup. Ah, super. J'en ai pas beaucoup, en fait, du fer. J'ai pas de quoi faire une enclume. Bon, c'est pas... On va faire ça, on va s'enchanter une épée. On va peut-être essayer d'avoir une petite Sharpness 2. Mais non, mais. Je suis débile, en fait, je peux pas avoir Sharpness 2 vu que j'ai pas d'enclume. Bon, c'est pas grave. Bon, moi, je suis quand même enchanté un minimum. J'ai quoi faire un arc? Oui, j'ai quoi faire un arc. Mais vous savez quoi, on va faire un arc. Bon, cette flèche, c'est pas ouf. Mais c'est déjà ça. En fait, j'ai peut-être de quoi faire des flèches. Hop, hop. Un petit power, vas-y, fais péter le power. Hop. On va ranger tout le bordel ici. Non, le cobble, ça reste. Les flèches, ça reste. Ça, ça dégage. Est-ce que j'ai des plumes? Je crois que je vais en avoir des plumes. Bon, bah, c'est pas grave. Dans ce cas-là, on va partir tout de suite. Bon, le solo, ça sert à rien, mais je vais quand même le garder. Bon, on va faire le portail. Hop. On va le mettre où le portail? En vrai, j'ai pas envie de le mettre trop près de la maison, on ne sait jamais. Je pense qu'on va le mettre là le portail. En plus, il est un peu surélevé et ça peut être stylé. Voilà. Hop, on va ouvrir le portail. Zoop. Et on y va. Allez. Espérons que j'ai de la chance sur le spawn et qu'on spawn pas dans une grotte ou alors en plein milieu d'un lac de lave. Ça pourrait être sympa. Bon, déjà, j'ai pas un spawn minable. Ça, c'est cool. Briquet, on le garde précieusement. Je vais prendre un screen des coordonnées. Hop, voilà, on prend un screen. Ok, j'ai tout ce qu'il faut. Alors maintenant, il va falloir trouver une forteresse. Ouais, alors les petits lags que vous avez, c'est normal, hein. C'est juste le temps que la lave coule, hein, vu que bon, dans le Nether, il y a énormément de lave. Et bah, c'est le temps que ça coule. Bon, on va se prendre un peu de quartz. Je pense que ça sera pas mal. Ouais, pour l'XP c'est pas mal. La déco, je sais pas ce que donne la nouvelle texture. Niveau du bloc de quartz, je crois qu'elle change pas trop, hein. Bon, en vrai, il faut quand même que j'explore. Ah oui, maintenant il y a des failles dans le Nether. C'est encore plus dangereux qu'un. J'aimerais bien récupérer une petite larme de ghast, hein, ça peut être sympa. Ah. T'as pas le pigmen.
Ah, mais il y en a un deuxième là! Putain, mais je sais pas viser un truc aussi gros, quoi. Enfin. Alors, je vais pouvoir même récupérer ma petite. Bon, il a pas looté de l'arme, c'est triste. Mais il y en a deuxième, on a encore une chance. Peut-être qu'on pourra looter une arme sur le deuxième. Qui était un peu coincé dans le mur. C'était bizarre. Il a vraiment spawn au pire des endroits. Mais il y en a. Mais il y a des ghasts de partout. Je les entends de partout. Il est là, il est là, il est là. Oh, mais je sais pas viser. Oh, t'es sérieux? En un coup. L'autre, j'ai eu en un coup. Et celui-là, non. Celui-là, il a pas voulu. Non, mais ne me dis pas que c'est tombé dans le seul. Oh putain. Il y avait un trou. Bah, c'est tombé dans ce trou, quoi. Aïe, 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 aïe. Oh, aucune chance de survie de l'alarme de ghast. Hein. Ok, il y en a encore un autre là. Mais il y a des ghasts partout. Hein. Ah, bon, moi, le ghast vient de despawn sans aucun respect. Ah oui, il faudrait récupérer aussi du lava, je sais pas quoi, là, je sais pas trop comment ça s'appelle. Enfin, la lave séchée, en gros. Ça peut être vraiment bien à récupérer. Et c'est assez pratique. Oula! Il y a magma cube. Ah! J'avais oublié qu'il mettait aussi cher. Là. Vas-y, saute. Non, dégage, dégage, dégage. On va me sauter dessus, là. Très bien. Le jeu a lagué. Vas-y, saute, 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 saute. Pas trop, quand même. Nickel. Allez, lootez-moi une petite slime cube, là. Enfin, une... Oh, là, on a une magma cream. C'est plus une slime cube. C'est quoi, ça? Oh, ils nous font pas de dégâts, quand ils sont tout petits, hein. Ouais, c'est ça. Ah, si. Ils nous font des dégâts. Bon, pourquoi pas. Bon. Elle meurt. On en a une. C'est déjà pas mal, une. Il y a ça. On va pouvoir récupérer de ça, aussi. Quand, je rappelle que quand on sneak dessus, ça on prend pas de dégâts, hein, bien évidemment. On va récupérer comme quelques-uns. Ah oui, et puis ça peut être pratique aussi pour les ascenseurs avec de l'eau. Voilà. Hop, voilà, on va pouvoir ressortir de là-dedans. Ah bah, super, super, bravo. Bon, il me reste 8 patates, c'est pas ouf. Genre, ça baisse vraiment vite. Bon, ce que j'ai pas aimé, genre je me suis pas mal éloigné du portail, faut pas que je me perds. Sinon, rip moi. Hein. J'ai pas beaucoup de viande, enfin de. J'ai pas beaucoup de nourriture. Donc faut vraiment pas que j'aille trop loin du portail. Sinon je pourrais jamais y retourner et je vais juste crever de. Oh, j'aurais peut-être arrêté de sauter hein, parce que ça me peut perdre pas mal de bouffe. En fait, genre j'aurais tellement dû prendre du bois, il y a tellement de champignons dans le Nether. J'aurais pu faire des soupes de champignons à l'infini. Quel le portail est juste là. Oh, il y a un magma cube. Allons tuer le magma cube. Tu me lootes une petite. Non, il m'a rien looté. Tristesse. Ici, là, dis-moi qu'il y en a une. Oh oui, il y en a une. Bah, nickel, ça. J'ai entendu un truc me tirer dessus. Je sais pas, j'ai entendu une flèche ou... Oui. C'est cool. Alors, en fait, on en a une quasiment juste à côté. Ça, c'est cool. Bon, par contre, elle est pas ultra accessible. Ah, si, en fait, si, elle est accessible ici. Sans trop de problèmes. Bon, maintenant, il s'agit qu'il faut pas que je me paume dedans. J'ai pas pris de. Une petite armure de cheval, c'est cool. Bon, les points d'or vont. Oh, bah, les Nether Wart sont directement ici. Hop. Hop. Voilà, maintenant, on va récupérer. De la soul sand pour pouvoir en faire reproduire tout simplement. Moi ouais, je pense qu'on va juste prendre ça, il n'y a pas besoin non plus de 200 machin. Maintenant genre il y a les coffres qui m'intéressent parce que dans certains coffres il y a du diamant. Ouais limite la celle d'armure de... Ouais tu sais quoi, on va prendre celle de l'or aussi, on les aura toutes. En plus, je crois qu'en 1.14, genre, ils ont modifié les trucs sur les selles ou je sais plus, il y a quelque chose. Ah, que je me renseigne un peu, mais je sais qu'il y a quelque chose avec les selles. Ah non, je crois que c'est des selles en cuir. Il y a des selles en cuir et tu peux les colorer, genre. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Aïe, 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 aïe. Il y a un. Très bien, j'avais vu un blaze là-bas, mais il a despawn. Je crois qu'il doit y avoir un problème de despawn en 1.14, hein, parce que genre. C'est chaud. Déjà qu'il y a un blaze qui despawn devant ma gueule. Genre, c'est hardcore. Oh,
J'ai cru qu'il allait m'attaquer. Ouh, de l'or. Une selle, ça c'est cool, une selle. Alors par contre, j'entends un blaze. Il est là, il est là, il est là. Nickel, il a même pas pu taper. De où? Ah, mais en fait, je crois qu'il y a un donjon à blaze juste à côté. Qui est de l'or, pas mal d'or, ça c'est cool. Il doit y avoir un donjon à blaze juste à côté. Enfin, je sais pas trop où, mais il doit y en avoir un quelque part. Ça, c'est sûr. Oh, il y a un coffre juste derrière ça. Du diamant, ça c'est cool. Hop, on a remboursé notre table d'enchantement. Ça c'est cool. Faut que j'arrête de sauter, bordel. Ah bah, il y a pas de coffre là. Genre, ça, le couloir de l'infini. Quoi. Puis ouais, puis en plus, ça mène soir. Là, quoi. Bon. Petit raccourci. On n'a rien vu. Il bah, y a les blés qui s'excitent là. Genre. Doivent être au-dessus peut-être. Je sais pas où ils sont, mais ils sont quelque part. Ok, ici on peut descendre. Oh bah il y a un coffre juste là. Oh là, ils sont ici. Laissez-moi regarder ce qu'il y a dans le coffre en paix. Nether Wart. Bon, tu sais, on va prendre les armures, mais je pense que je vais y virer au bout d'un moment. Allez, meurs, 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 meurs. 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 Allez, t'avais 200 de vie, toi. Je vais m'en prendre. J'en ai juste pris une. Ok. Résultat, toujours 0 blaze rod. Bah, super. Ça fait plaisir. En tout cas. Ok, là, j'ai déjà pris. Là, c'est là où je viens, non? Ah non. Je suis perdu dans cette forteresse. Un autre coffre. Ok, un peu de fer. Encore une selle. Les selles, c'est cool. Merde. On va encore avancer toujours plus loin dans cette forteresse. Quoique, j'ai un de bouffe. Il me faut encore un blaze. Il me faut un brewing stand. Il me faut de la blaze powder. Ok. Je vois pas de spawner à l'horizon. Puis y a pas de squelette empoisonné là. Enfin, des wither squelettes. Ça aussi c'est bizarre. Ok, on va descendre ici. Je croyais qu'il y avait un ghast qui avait spawn, mais non. Allez. On devrait trouver. Oh, il y en a un là-bas. Espérons qu'il ne spawn pas. On va essayer de le shoot à l'arc. Oh, mais il est à côté d'un pigman. Ah, j'ai mangé ma dernière croutelette. Ah, j'ai plus de flèches. Oh, nickel, on en a une. Maintenant, il m'en faut encore une deuxième. Là-bas, il y en a un. Il en faut une deuxième parce que bah, il faut de la poudre de blaze maintenant pour faire fonctionner le brewing stand. Le brewing stand, enfin, je sais pas trop comment ça se dit. Ça se prononce. Non, tu me tireras pas dessus. Oh, nickel, on a une deuxième. On peut rentrer. Bah nickel, il y en a juste là de haut là, de spawner, on va se barrer. Il y en a un aussi là-haut. Non, il va falloir retrouver de là où on vient. Ouais. Voilà, on va pas aller par là. On dégage vite, 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 vite. Je vais mettre un peu dans un trou, je pense. Le temps de retrouver les coordonnées de là où on était. J'aurais dû les écrire dans le chat, en fait, ça aurait été plus simple. Hop, 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 voilà. Voilà. Je vais aller chercher les coordonnées et je reviens tout de suite. Ok, j'ai les coordonnées. Le portail, en fait, il est en 0,0 en soi. Genre, il est en moins 1, 5. Mais il est quasi en 0,0. Donc, c'est plutôt facile à retenir. Ouais, on n'y est pas loin, en vrai. Heureusement, je vais passer. Alors, on va faire attention. Ok, donc il est par là, déjà. On va pouvoir aller par là-bas. Ah oui, bah en fait, oui. Ah oui, parce que là, c'est là d'où je viens, je crois, en fait. Oh, il y a un coffre. Il y a un coffre juste en dessous. Je sais pas si je l'ai déjà pris ou pas, mais... On peut aller voir.
J'entends un squelette. J'entends un squelette. Je sais pas d'où ça vient, mais ça pourrait nous tuer. Ah oui, là c'est là où on est rentré. Non, on a forcément pris le. Ok, donc nous, ouais, le portail est là-haut en gros, ouais. Là, va falloir remonter. J'ai un peu de bloc. Mais c'est pas ouf. Hop. Ouais. Oh, encore un ghast. Une petite potion, une petite. Ah, mais. Falloir le fight au corps à corps là si on veut le fight. J'ai plus de flèches. Ah, mais là, il y a la forteresse. Il y a carrément un truc de forteresse ici. Ah, mais il me voit pas. Bon, bah, on a une ghast aveugle ici. Il y a carrément un truc de forteresse ici. Bon, j'arrive aux coordonnées. Bon, j'ai plus de bouffe, j'ai plus rien. J'espère que j'y suis bientôt. Ouais, ok, il est par là le portail. Bon, j'ai croisé encore un autre ghast, mais genre, il m'a rien, jamais rien looté. Ah non, mais il est là-bas le portail. Ok, bon, on a le portail, ça c'est cool. Bon, j'ai plus beaucoup de vie, j'ai plus rien. Est-ce qu'on se fait avec le magma cube? Oh bah nickel. Une petite magma cream. Fait plaisir. Hop, et surtout de l'XP. Bon, on va vite retourner au portail. Parce que là, on a tout ce qu'il faut pour faire les potions. Notre objectif Nether est semi-accompli. Parce qu'il faudra récupérer, je pense, encore d'autres blaze rods. Bon, allez. On est bientôt au portail. Voilà. Hop, c'est bon. On retourne dans le monde réel. Que. Non, et c'est vraiment le début de la nuit. Bon, ouais, le bambou a encore plus poussé. C'est incroyable. Alors, on va poser tout ce qu'on a eu. Alors, déjà, toutes les 200, les 200 sels. Le diamant. Hop, non, pas ça. Le diamant, le fer. Hop. Ouais, il faudrait que je fasse un autre coffre, carrément. Je vais faire un coffre spécial Nether. C'est une bonne idée, ça. Ouais, mon coffre est totalement full, en fait. Donc, sous le sand, ça, on va mettre ça là. Hein. Le quartz également. Ouais, il va falloir maintenant commencer à faire des cultures. Il va falloir commencer à faire des cultures. Alors, je vais juste jarquer tout. On a plein de trucs en bois là. C'est totalement inutile. On va les jeter dehors. Hop, et hop. Alors, il va nous falloir des patates. Alors, bon, hop, ça c'est bon, ça finit de cuire. Il va falloir de la pomme de terre pour nous nourrir. Et je pense qu'en vrai, on pourrait ramener les cochons. Ça pourrait être pas mal. Hop, déjà, est-ce que ça a poussé un peu ou pas du tout? Ouais, alors, ça a très peu poussé. On va vite fait se faire cuire ça. Sinon, on ira. On va aller fight quelques squelettes, je pense. Ça peut être aussi une solution. On n'a pas de poudre, non, on n'a pas d'os ici. On va essayer d'aller fight 2-3 squelettes. C'est une solution. Et puis, on se ferait un peu de poudre d'os. Des creepers, je veux pas de creepers. Bon, bah, je crois que. On n'aura que deux petits os. Bon, c'est déjà ça. Il n'y a pas de creeper qui vient pour nous exploser. Non, c'est juste des zombies. Tac, tac, on va pousser les. Rip les zombies. Bon, on va encore faire cuire quelques pommes de terre. Et je vais aller chercher les cochons qu'on a vus en début d'épisode. Bah bon, on va quand même attendre que les pommes de terre cuisent. Ok, deux patates, ça devrait suffire. On va juste en prendre une pour se régénérer. Hop, et on va aller chercher. Oh, tiens, j'ai récupéré mes outils en bois tout pété là. Et on va aller chercher les cochons. En parlant pour les ramener, ça va être, je pense, une galère, mais pas possible. Alors peut-être qu'en fait, si on les fait passer par là, ça irait. Peut-être. J'ai cru que les moutons étaient attirés par les pommes de terre. J'aurais fait woot! Et j'aurais ragé parce que du coup, j'aurais pu manger. Ouh, ouais, ça va vraiment être pas facile pour aller les ramener.
toi un zombie. Je sais pas où il est, j'ai peur qu'il vienne nous attaquer et attaquer mes cochons. Hein. Alors en plus vous aurez du bambou à côté, des arbres, vous serez comme chez vous. Hop, là faut rentrer. Bah, nickel. Ah c'est bien. Hop, faites des bébés. Allez. Nickel. Oh non, vous savez quoi, on va les planter. Comme ça, on aura peut-être plus de patates à l'avenir. Alors le bambou, là on n'a pas le bambou, on va le casser un peu. Cette hache en bois nous sera utile. Voilà. Ouais, non, juste ceux-là, ils vont jamais pousser. Mais bon. On va casser les feuilles, hein, à la limite. Bon. Voilà. Oui, ben je pense qu'on va pouvoir faire la fin de l'épisode. Voilà, je ne sais pas combien de temps je rec, mais moi, en tout cas, ça fait bientôt 1 heure. Et je pense qu'en 1 heure, on a pas mal de contenu. Allez, bon, c'était Brioche Cuit, à plus et à la prochaine. Bye bye les amis.